Alors c'est une vaste question qui évidemment dépasse très largement le cadre du rapport que nous avons présenté à la section des finances tout à l'heure. Mais j'aurais tendance à dire qu'il montre la nécessité absolue de travailler sur un meilleur consentement à l'impôt. C'est ça la leçon centrale. Ça ne veut pas du tout dire que dans notre esprit, la taxe carbone soit condamnée, mais ça veut dire qu'elle a besoin d'être expliquée, qu'on explicite les tenants et les aboutissants, qu'on réfléchisse aux conditions dans lesquelles il faut accompagner une hausse éventuelle de la taxe. Les instruments auxquels on peut songer, ce sont des instruments fiscaux. Il y a des mécanismes de marché, c'est notamment les quotas pour les grands émetteurs. Et puis, il y a la norme et les subventions. Le dosage entre ces différents mécanismes relève en fait d'arbitrage politique. Et nous ne pouvions pas nous substituer au pouvoir politique pour dire il vaut mieux mettre tant de pourcents en faveur des systèmes de normes ou au contraire privilégier la fiscalité. Mais les options que nous ouvrons, c'est de montrer que si on veut respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, composante carbone devenue une fiscalité carbone à part entière fait partie des réponses. Alors le gouvernement a pris effectivement quelques mesures. Il faut attendre de voir ce que seront les arbitrages définitifs pour le projet de loi de finances 2020, puisque la décision dépend également du Sénat et de la navette entre les deux assemblées. Les solutions de compensation, elles sont importantes à mûrir en fonction d'un certain nombre de considérations. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser aux ménages qui sont les défavorisés et qui sont dans les plus directement affectés, c'est-à-dire donc en fait les ménages des communes rurales ou des petites unités urbaines pour qui la voiture n'a pas d'alternative. Alors nous faisons un ensemble de propositions pour renforcer l'acceptabilité. Il nous semble que ça passe d'abord par la pédagogie, ça passe aussi par la clarté de ce que l'on veut faire, la stabilité de la trajectoire. Il ne faut pas y revenir à tout bout de champ parce que les ménages, comme les entreprises, ce sont des agents économiques qui prennent leurs décisions en fonction de considérations diverses et donc il ne faut pas changer tout le temps la règle du jeu. Ça c'est très important, mais l'acceptabilité elle vient aussi effectivement des mesures d'accompagnement et ceci renvoie à la question précédente.